Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur News ID. Moi, je viens de porter un update pour qui a un rapport avec ce qui a passé dans la communauté haïtienne. Là. Ça n'a pas gardé devant nous là, derrière nous là, en tout cas, c'est Stanley Noël, monsieur qui a seulement 27 ans. Non, on a parlé avec vous là, monsieur, est en prison par Boïsit aux États-Unis. C'est tout simplement, il a les amis, menacer les gens, il pète les balles. Léopati pour aller derrière monsieur, monsieur prend courir. Bon, on va demander ça qui passe dans la tête, yo, quelque part. Vous va comprendre? Bon, forme tout ça. Il y a des séries de monde, pas qu'on est. Yo dans le pays, ya, on dirait qu'il a oublié côté, yo, yé, bien entendu. Monsieur, gain quel âge? On va regarder là, monsieur. Monsieur, j'ai monsieur, gain seulement 27 ans. Monsieur, gain seulement. Monsieur, fête 19 novembre 96. 27 ans, ok? Sam Abdoulala, c'est hier soir ça a passé, bien entendu. Hier mercredi, qui était 25 octobre. Là. Qui ça a passé? C'est que ben, plusieurs chéris, justement, répondent. Ils relèvent sous ça pour venir sous les lieux. Dans la zone automatique, qui est à Bridenton. Yes. Ils relèvent pour venir des monsieur. Pour venir mettre la patte sur monsieur. Ça a passé hier soir. D'après chéris, yo. Et d'après à la fois shérif dans Manatee County côté moi m'a vivre là et ainsi que shérif Charlotte et yo fait connait Stanley Well ra les amis tirer bon menacé monsieur était dans altercation dans Walmart dans parking Walmart qui trouvé dans highway Ponta Gorda parce que grand pile monde Ponta Gorda captain dem là. Donc, monsieur, il va pas tout détail, non? Comme les clavis vont montrer le chef. Vous comprenez? Mon gars doit parler avec lui, les amis, popo, il tire. Bon, monsieur, c'est échange, monsieur, pas tout le monde. Donc, monsieur, râle les amis, il tire en l'air. C'est une façon pour vous montrer qu'il est garçon. Vous comprenez ensemble de monde comme ça? Pour vous montrer au garçon. Vous comprenez? Pour faire l'autre la paix, pour comprendre que c'est moi le chef. Ok? Râle les amis, il tire. Quelque part, tout. Sous un tout garçon comme ça, râle puis tu auras les points et tout, soit tout cagoumé. Vous comprenez? Et puis quelque part, ça n'est pas qu'on est bon. Il fait action. Vous voyez, nous tout bien, il fait ça dans la discussion que le te gagne. Dans le parking lot, dans le Walmart qui est dans Agoda, dans le highway. Là. Et maintenant, là, monsieur fin fait ça. Là, si vous entendez, bon, comme ça, il fait tirer la police. Vous voyez? Monsieur prend ma machine et puis il prend I-75 là. Comme quoi, ça veut dire une veste comme quoi on va sauver. Vous comprenez? Monsieur vite, monsieur gaz, il prend I-75. Ça passe, eh bien, on connaît ici. Communication faite, tout bagaille faite. Et puis, il a initié ça dans le stopper trafic. Stopper, c'est ça arrivé. Il y a Manatee County Sheriff Deputy dans Bradenton. Il a justement fait tout coup de fil. Il a bloqué monsieur tout près. Christian Brothers Automotive qui dans Bradenton boy ici là. Donc ça pour comprendre ça m'a essayé tout là là. Ça veut dire son action monsieur fait depuis dans et ça faut gagne deux shérifs qui sous dossier là. Et shérif Charlotte et donc monsieur Baigaz et monsieur vient aboutir juste boy ici là. OK? Maintenant la grande question, bon gagne plus chance pour c'est pas exactement bon la caille. Bon côté m'rete m'a parlé à monsieur vient rete. Et yo vin bloquer monsieur Jean Wendoula tout près pour moun ki nan zone nan Christian Brothers Automotive dans Bradenton. C'est là yo vin bloquer monsieur. Là yo bloquer monsieur en cercle monsieur pas veut quitter machine nan. Wa zam nan mon. Par contre vous comprenez non ça veut dire. Monsieur zam nan mais tenez mon microphone yo monsieur pas veut sortir. OK? Monsieur t'es ka mouri tout quelque part. C'est parce que bien entendu gagné dans l'équipe là, il y a des gens qui maîtrisent, qui ont psychologie, vous comprenez, et qui négocient. Mais négociation prend plusieurs heures. Faut me bien, monsieur, gagne chance. Tout gagne, ça dépend de chérif, vous gagne, vous gagne, vous gagne, tout pile bail, ça prend plusieurs heures à négocier avant. Vous tombez pété bal avant. Parce que vous avez un moment dangereux. Ok? Même nous, monsieur, jeune, et nous avons fait 96. Ok? Donc, négociation faite. Après plusieurs heures, après plusieurs heures, et par la suite, il était arrivé justement
fait monsieur sortir dans machine bien entendu puisque on connaît les armes sorti bon jambe pour sortir dans machine tout oui vous comprenez pour gain armes dans hipap sorti mais sous tête baiser ça et bien c'est ainsi que yo prend Stanley Noël yo menel en prison et y a gagné pour yo extrader c'est vrai que yo prend dans Bradenton c'est là yo vinn prendre mais Zach il te fait côté le commencer c'était dans Charlotte County donc il y a gagné pour yo voyez monsieur back en Charlotte County donc fonzou que et bilan c'est vrai pas gagné monde qui blessé OK pas gagné monde qui prend balle mais ça vous comprendre c'est que ou les amis ou en discussion ou tirer OK donc gagné des peines pour ça OK et on demande tout le monde a fait action est-ce que ou pas qu'on a gagné des conséquences bon, quelque part jeune garçon 27 ans d'âge on va commenter tout là qui tout simplement qui quitté yo et conduit par émotion ou seulement fondou monsieur l'a condamné pour Zach qu'il fait parce qu'ils sont tentatives pour tout le monde tout mais a condamné monsieur tout pour résistance pas oublier un il fin fait Zach là la police enseigne lui pété courir c'est il a stoppé mais non seulement il a stoppé là au arrivé il a stoppé là c'est que c'est après plusieurs heures de négociation le pas sorti dans la machine donc l'a chargé pour résistance tout vous comprenez et c'est que t'as parce que quelque part monsieur sont en fait monsieur sont haïtiens chaque les grands membres dans communauté noire qui fait un zac et il a parlé de immigrants haïtiens vous va comprendre so qui c'est une mauvaise note pour communauté a et m'a parlé dans Floride particulièrement dans zone bon côté mier mais faut me dire nous ça sincèrement particulièrement l'aime prend Manatee County pas dit tout l'autre county non on dit communauté haïtienne là son communauté qui très paisible faut nous dire par contre pour l'autre county OK Manatee m'a parlé de Charlotte County d'ailleurs monsieur dit dans Charlotte OK moi même aussi longtemps que dans zone n'aime pas autant andi a dit haïtien dans les armes tirer puis dra d'autre vous comprenez et gang un mouvement gangster vous comprenez so nous pas tellement assisté dans Manatee County vous va comprendre so fond d'accord tout que environnement yo jouer influencer jeune yo tout fond d'accord sur ça tout by the way et mon temps de on bon bay cap dit sur Indiana mais m'obligé dit ça mes amis dans des voyez en pile point sur Indianapolis ou même cap tande dans là ba konnen et en pile bagarre m bien dit oui et c'est des will dire des groupes haïtiens qui fait en pile des zones Indianapolis et donc nous t'a souhaité que yo prend main ou quelque part parce qu'il y a en pile bad report communauté ils sont nous on parle de communauté Indiana c'est yo pas là longtemps que ça on va comprendre yo même mon bon 200,000 non yo quand 100,000 comme ça OK so mais c'est vraiment avant pour il va aller causer me d'aller parler sur justement particulièrement parce que l'autre côté fort dit qui bon parce que tu même on leur dit Florida faut se tirer qui bon tout on va comprendre qui côtoyer OK mais on parle surtout de Indianapolis vous comprenez on parle de communauté haïtienne à Indianapolis et il y a vraiment gagné et il vraiment gagné de mauvais rapports qui viennent chez nous. En tout cas guys, nous t'ai voulu partager et information ça puisque li concerne les communautés et particulièrement li passé bon la caillou nous t'ai voulu partager info avec vous.